T'es qui toi? Je suis le Chinois. Au revoir, Lucas. On se reverra. Ok. Black Panther. Je voulais te dire au revoir. Au revoir, Lucien. On se reverra. Grâce à mon pouvoir, je peux te faire téléporter. C'est quoi ce... Dans le monde réel. Vas-y. Et si ça allait assez... Attends. Ça... Let's go. Temps de préparer Noël. Voilà. Ah bon, il y a Lucia qui est arrivé. Lucia, je discute avec toi après. Là, je dois tourner un... Là, je dois tourner un résumé MCU vu que... Que là, je suis devant mon studio. Ok. Je viens après te voir. On mange leur repas et tout, tous les deux. Ça te dit? Ok, pas de problème. Non, tu te fin. Même résumé, MCU. Donc, c'est parti pour le grand final de résumé MCU. C'est parti. Let's go. Ah. Noël, 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 Noël. Une ambiance cinématique. Comme. Ouais, c'est bon, ça tourne. Comme ma bite. Ça rime, ça rime. Attends, peut-être. Hop, je vais passer que ce soit comme ça. Voilà, on est prêt. Vous avez vu? C'est une image de Noël. Que ça fasse Noël. Voilà. C'est une petite casquette. Ça, c'est l'intro de la vidéo. Vous allez bien, les gars? Moi, ça va. C'est le tout dernier épisode de résumé MCU saison 4. Et quoi de mieux? Que de faire, si je sais faire de mieux, un résumé MCU et pas n'importe quoi, mais c'est on va présenter un spécial. Donc c'est parti, let's go. Maintenant, let's go! Alors du coup, de quoi ça parle? C'est parti. Alors presque 2 ans après la guerre contre Thanos, installés sur l'astéroïde Gnower qu'ils ont acheté aux collectionneurs, les gardiens de Ajax se rendent compte que sur Terre, Noël approche à grands pas. Après avoir entendu une histoire selon laquelle Peter Quill n'a jamais pu fêter Noël depuis qu'il a été récupéré par Yondu sur Terre, Mantis et Drax souhaitent se rendre sur Terre pour ramener Kevin Bacon, acteur que Peter adore, sur Nowhere, dans le but de l'offrir en cadeau pour Peter. Ils croient tous les deux que Bacon a vraiment sauvé le monde en dansant. Ensuite, sur Terre, Mantis, Drax découvrent Hollywood et passent du temps ensemble en ville à la recherche de l'acteur après avoir visité le Hollywood Walk of Fame et avoir passé la soirée dans un bar. Ils finissent par trouver l'adresse de Bacon à Beverly Hills. Le duo s'introduit chez lui en le poursuivant. Mantis, grâce à ses pouvoirs de persuasion, parvient à convaincre Bacon de se rendre sur Nowhere. Arrivé sur Nowhere, les gardiens décorent toute la ville pour impressionner Peter. Ce dernier découvre Bacon et demande alors à Mantis de le faire sortir de la transe. Terrifié, Bacon souhaite rentrer sur Terre immédiatement après avoir appris auprès de Kraglin qu'il est un héros pour Peter depuis l'enfance. Bacon décide finalement de rester sur Nowhere pour fêter Noël avec les gardiens. Ils reçoivent ainsi tous un cadeau, dont Rocket qui reçoit le bras en vibranium de Bucky Barnes dans la part de Nebula. Après ces festivités, Bacon retourne sur Terre.
Ensuite, plus tard, Monty décide de révéler à Peter son secret. Elle est la sœur de Peter car il s'avère qu'elle est en fait aussi la fille d'Ego. Peter répond alors qu'à Mantis, quel est le plus beau cadeau qu'il ait jamais eu. Ensuite, scène post-générique. Rocket décore Groot avec des guirlandes de Noël, mais il bouge trop, ce qui fait tomber tous les guirlandes. Rocket dit alors qu'il faudra un autre spécial pour continuer. Déjà, j'ai pu rentrer. Et joyeux Noël, Lucien. Attends, j'ai un cadeau pour toi. Tiens, c'est une pierre super précieuse. Tiens, je te la donne. Et aussi, je voulais t'avouer un truc. En fait, des fois, mon pénis il bande sur toi. Et en fait, je voulais te demander, est-ce que t'aimerais qu'on sorte ensemble? Ok, d'accord. Oui, Alex, je vais. À plus, Adax. La traîtresse, tu chien de merde. Elle m'a trahi. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Putain. Qu'est-ce que je fais dans la vision de la pyramide multiverselle? Ah, merde. Je suis l'annihilateur du multiverse et toi, ta réalité va disparaître avec la tempête du multiverse, Adax. Mais attends, peut-être que l'annihilateur du multiverse, c'est ça? Merde, je dois courir. Wesh, une énorme faille vient de s'ouvrir. Une énorme faille.